U.S. citizen? But I'm a nurse. I travel through here every day. And I'm telling you to park your car in the inspection zone over there. She clearly decided that those two migrants didn't deserve any help. That's hate. Je pense que le film raconte quelque chose d'essentiel dans la mesure où cette manière de se comporter en conscience, en ayant fait le choix d'être intolérant, d'être raciste, d'être en rejet d'une cohabitation, d'une communauté d'esprit plus large, c'est quelque chose qui est profondément inscrit dans la société actuelle et qu'il faut quelque part, il faut trouver des moyens de désamorcer. Si par mon film, des gens peuvent comprendre que ce personnage-là est inacceptable, mais qu'il n'est finalement que ce qu'il est, et qu'il y aurait moyen de le contourner, ou en tout cas de le déborder, de le mettre, de rendre sa position caduque, ne fût-ce que par exemple en revendiquant des frontières qui soient plus perméables, qui soient avec un accès plus libre. Voilà, moi c'est un peu, je reviens au sujet précédent, dans mon film précédent, qui est le sujet de la migration. Voilà, je trouve que les migrations humaines sont, sont une composante essentielle du progrès humain. I'm here to defend my country, and I'm proud. And you've got no balls. Alors, en même temps, son humanité, oui, pour moi, on est tous humains. Qu'on soit des crapules ou des gens bien, on est tous humains et tout ce qu'on fait est dans l'humain. Malheureusement aussi, parce que je pense que la barbarie est dans l'humain. Et quand on dit que c'est une situation inhumaine, c'est pourtant des humains qui se l'infligent les uns aux autres. Mais ce que je pense aussi, c'est qu'elle est dans ce rôle-là, non pas comme quelqu'un qui aurait été contraint et qu'on pourrait donc quelque part, dont on pourrait conclure que quelque part elle est abusée, quelque part qu'elle est une forme, pas victime, mais presque, en tout cas qu'on pourrait lui trouver des circonstances atténuantes. Or, il n'y en a pas. Ce sont des gens qui choisissent de faire ce qu'ils font et qui le font en conscience du mieux qu'ils peuvent. Et elle est en plus dans un registre où il ne s'agit pas de faire le mieux qu'on peut, elle veut être la meilleure. Et donc elle est d'autant plus dangereuse, quoi. Moi, je pense qu'elle est même presque un archétype. C'est marrant parce que avant de me lancer dans la situation à la frontière, je contemplais l'idée de faire quelque chose sur cette communauté chrétienne fondamentaliste américaine du Midwest, du centre de l'Amérique, ce que nous appelons l'Amérique profonde en fait, et que je trouve effectivement intriguant et peut-être même dangereux, parce qu'en fait on regarde les fanatismes du côté de l'islam, mais en fait il y a les mêmes du côté de l'église chrétienne. Et donc ces gens sont très intolérants, ils sont très en repli sur eux-mêmes, et ils se sentent menacés. Et donc, ça donne maintenant ce qu'on appelle, de manière plus générale, la suprématie blanche, white supremacist. Et donc, ce personnage de Jessica Comley, ben oui, elle représente ça. Elle est parmi eux, elle est l'un d'eux. Fuck did you say, cunt? That's enough. You hurt me! Fuck you! Make sure you stay well away from my sex, or I don't want to have to clean up after you. So now you care about that scum? But this border, you know? Doesn't exist. I know.